Situé à quelques kilomètres de la côte atlantique africaine, l'archipel des Bijagos, en Guinée-Bissau, comprend 88 îles encore largement sauvages. 64 d'entre elles sont totalement vierges, et certaines sont considérées comme sacrées par les habitants de l'archipel. Elles ne sont accessibles qu'aux initiés et utilisées uniquement lors de rites et cérémonies. Profitant du courant marin chaud des Canaries, de la présence de grandes mangroves et d'un vaste réseau de bras marins peu profonds, l'archipel bénéficie d'un afflux de matières organiques importants. Ses eaux riches en nutriments attirent ici de nombreuses espèces de poissons et d'oiseaux migrateurs qui viennent profiter d'un hiver clément et d'une nourriture abondante. Alors que l'intérieur des terres est constitué de forêts humides et de plaines marécageuses, les côtes regorgent de longues plages bordées de bancs de sable, de récifs rocailleux et de grandes mangroves. La diversité des habitats et la faible présence humaine sont appréciés par de nombreux animaux comme les lamantins, les tortues vertes ou encore les hippopotames. Ainsi, l'archipel des Bijagos est une aire de reproduction idéale pour 15 espèces classées vulnérables et se trouve être un refuge naturel pour la vie sauvage en général.